30 secondes d'un de tes. Je vous bats, vous dites pas la Odyssey. Christophe, ça est jumping dans les fiches. Chéri Coco, ça me fait le soutien. Avec un bolo bolo, papa est solo, bébé, vina, vis solo. Je vois le mec à ma solo, avec plus un solo. Wow, les gars, you see, on trip back. Yes. Applaudissez pour les gars ici. Applaudissez pour les gars ici. Applaudissez pour Dasha. Applaudissez pour Obake. Applaudissez pour Swati. Que Bibi. Applaudis pour Gardel. Yeah. Tout le monde applaudit pour Queen. Yeah. Et tout le monde applaudit pour le gars qui est venu de Bamenda. Oh. Voilà. C'est qui pour vous? Faites du bruit encore avant que les gars quittent. Faites du bruit. For change, la rue est là, MC Job Bolos, Moko, 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 Thank you.
marche, c'est bon. Alors, Joe, dis-nous quelle est l'idée qui t'a amené, quelle est l'émotion qui t'a amené quand tu as accepté que tu as laissé accompagner cette nouvelle génération de transmission. En tout cas, l'objectif du festival depuis le début, c'était ça, évoluer les artistes et voir dénicher des nouveaux talents dans tout domaine culturel, pas seulement dans la musique et dans le hip-hop, mais aussi les artistes, ceux qui sont dans la mode, les danseurs traditionnels, les instrumentalistes, tout ça, tous les gens, toutes ces personnes-là et tous ces métiers-là sont les bienvenus ici. Et nous, on a toujours la porte ouverte et les conseils à donner à ceux qui veulent faire carrière dans les domaines que j'ai cités. Et en tant qu'artiste qui est très demandé et qui fait très bien son travail, c'est quoi ton regard sur justement la construction de l'industrie d'une part, mais aussi du son camerounais? Parce que tu es reconnu comme l'un des soldats qui construisent le Cameroonian Sound. Ouais. Moi, je pense que ça évolue, mais c'est un truc qu'il faudrait que beaucoup de personnes le fassent. C'est pas une personne qui fait ça. C'est quelque chose que quand quelqu'un prend, c'est une habitude, d'autres copient des habitudes. Et ça devient un truc qui est général. Quand c'est général, de l'extérieur, on peut déjà ressentir cette présence. Mais si c'est laissé aux individus, on ne peut pas construire une pyramide seule. Quel était le concept de ce soir, le projet qui a été présenté à cette soirée? Le projet qui a été présenté à cette soirée, c'est des jeunes qu'on a rassemblés qui aimeraient savoir comment les choses fonctionnent et comment les choses marchent. Bon, on les a éduqués en quelque sorte, mais ils étaient déjà talentueux et ils écrivaient leurs chansons. Et à la fin de l'atelier, on a fait une session qui était une journée pour faire les trois morceaux que vous avez entendus. Donc moi, je trouve que ces jeunes-là sont vraiment talentueux. Et je pense qu'il faut qu'on les donne aussi une chance et une façon, une place aussi pour les vivre. J'ai un album qui va sortir. Pété! Est-ce qu'on peut avoir une idée de quoi mon album? Je vais dire, je ne fais pas souvent ça, mais mon album, mon premier album, HIV, c'est un album, le concept est post-apocalyptique. C'est-à-dire, c'est comme si c'est la fin des temps. C'était ça le concept. Donc, Mboko Gwan, qui est mon deuxième album, ça parle du début d'une civilisation, qui est que la civilisation commence d'abord par la peur, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ensuite, les lois et les coutumes sont formées, et un peuple est formé. Donc, mon album, ce qui vient, c'est une civilisation niveau 3. C'est comme ça. Donc, c'est un album que je vais concevoir, et je ne veux pas que les gens comprennent ça quand ils écoutent ça. Un de tes mix.